Chers amis, nous arrivons donc à la fin de notre semaine de réflexion et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour ces différentes expériences que nous avons faites avec lui et la guérison que nous avons connue cette semaine à travers les miracles du Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Nous prions donc, Seigneur Dieu, merci pour cette semaine d'études. Et nous savons que tu es un Dieu qui se révèle toujours à ses enfants. Il se peut que nous avons eu durant cette semaine beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés à comprendre certaines choses. Et nous voulons croire de tout notre cœur que ton esprit, à travers les différentes leçons de cette semaine, nous a éclairés, nous a ouvert l'intelligence, la sagesse. Nous avons compris beaucoup de choses concernant notre vie personnelle. Et par ton esprit et ta grâce, nous avons apporté des changements et le miracle a eu lieu. Et aujourd'hui, alors que nous terminons cette leçon, nous pouvons te dire merci de tous les miracles que tu as opérés en notre faveur durant cette semaine. Alors, sois loué, sois béni pour tout cela, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous lisons, chers amis, dans le livre Testimony, volume 5, à la page 515 qui suit. Cette volonté qui constitue un facteur si important dans le caractère de l'homme a été placée sous le contrôle de Satan à la chute, et depuis lors, il incite l'homme à faire son propre plaisir et à conduire à la ruine et la misère totale de l'homme. Dans patriarche et prophète également, page 218, nous lisons ce qui suit. Celui qui veut recevoir le secours d'en haut doit être conscient de sa faiblesse et de ses imperfections. Il faut qu'il se prépare aux grands changements qui doivent s'opérer en lui et se livre avec ardeur et persévérance au travail et à la prière. La victoire ne s'obtient que par une volonté résolue de se corriger de ses mauvaises habitudes. Que d'hommes n'arrivent jamais à la position qu'ils pourraient atteindre dans l'œuvre de Dieu pour la raison qu'ils attendent du ciel ce qui leur a donné la force d'accomplir eux-mêmes. Tous ceux qui désirent se préparer à remplir une carrière féconde doivent consentir à passer par une sévère discipline mentale et morale, assurée de rencontrer une force divine prête à seconder leur effort. Alléluia. Fin de citation. Merci Seigneur. Maintenant passons notre moment de question du vendredi. Selon vous, dans quelle mesure reconnaissons-nous réellement que notre volonté a été placée sous le contrôle de Satan à la chute. Comment, en nous centrant sur le caractère de Jésus, pouvons-nous mieux comprendre le degré de notre chute et la grandeur de la grâce de Dieu envers nous? En lisant l'histoire de Jésus à Gestémané dans Matthieu 26, 36 à 42, quels étaient les sentiments et les désirs de Jésus par opposition à la volonté de Dieu? Que pouvons-nous apprendre de ces exemples? En classe, en famille, en groupe, Discuter des choses dans nos cultures qui peuvent contribuer à briser nos défenses et à nous rendre plus vulnérables aux attaques de Satan. Que pouvons-nous faire pour aider les autres membres d'Église ainsi que ceux qui ressentent le besoin d'aide à être conscients de ces dangers Connaissez-vous quelqu'un dans votre Église qui ne vient plus depuis longtemps, qui se prépare peut-être à abandonner ou qui a déjà abandonné que pouvez-vous faire en tant que groupe pour encourager cette personne, pour l'aider à ne pas se détourner de Jésus Que pouvez-vous faire en termes pratiques pour aider Examinez votre vie spirituelle individuelle, la vie spirituelle de votre famille et la vie spirituelle de votre communauté. Quel est l'état de la discipline spirituelle dans ce cercle que pouvez-vous faire pour apporter des changements significatifs et profonds afin d'instaurer une discipline spirituelle conforme aux exhortations bibliques? Certains chrétiens pensent que le christianisme est synonyme d'absence de souffrance et de problèmes. D'autres chrétiens permettent un certain nombre d'inconvénients. Mais combien de chrétiens sont radicalement attachés à Dieu, à son appel à suivre Jésus-Christ? à son royaume et à sa mission dans le grand conflit entre Dieu et Satan, le bien et le mal. Dans le contexte de la persécution croissante des chrétiens contemporains dans diverses parties du monde, de nombreux chrétiens ressentaient le besoin d'une meilleure préparation radicale à passer par des creusés. Examinez votre niveau d'engagement envers Dieu et son royaume. Concevez une échelle d'engagement personnel sur la base de votre échelle. Qu'est-ce qu'un engagement radical pour vous Dans quelle mesure êtes-vous prêt, dans votre engagement chrétien, à servir Dieu de quelque manière qu'il puisse vous demander Que le Saint-Esprit, mes amis, vous accompagne dans votre réflexion personnelle, en groupe, en famille ou dans votre Église. Soyez bénis donc. En résumé, chers amis, la Bible est claire sur le fait que le péché n'est pas un simple acte passé d'Adam et Ève. Au contraire, le récit de la chute dans la Genèse décrit des changements immédiats et profonds apparaissant dans leur nature, leurs relations, leur environnement, leur mode de vie et leurs descendants. L'apôtre Paul stipule que par Adam, le péché et la mort sont entrés et ont envahi le monde dans le temps et dans l'espace. Le péché avait pour conséquence sur l'humanité la souffrance, la mort et la condamnation de tous les hommes. À cause de la transgression d'Adam, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Pour cette raison, tous les humains naissent dans le péché et aucun ne naît juste. Le seul espoir pour l'humanité pécherait se trouve dans le ministère sacrificiel et transformateur de Jésus-Christ et dans le ministère régénérateur et médiateur du Saint-Esprit qui nous donne un cœur nouveau à la gloire de Dieu. Dieu a toujours donné aux humains la liberté individuelle de choisir et tient les individus et les nations responsables de leur acceptation ou de leur rejet de son salut. Le texte d'or de l'Évangile déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ensuite, le texte dit, afin que quiconque croit en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La Bible insiste sur le fait que Dieu veut et invite tout le monde à être sauvé. Et une fois que les gens répondent à l'invitation de Dieu, ils collaborent avec Dieu à son salut. Mes amis, pour atteindre les gens dans ces sociétés, nous devons mettre l'accent sur les enseignements bibliques, sur le libre arbitre et notre profonde responsabilité pour notre histoire individuelle et communautaire, mais aussi partager l'enseignement biblique sur la gravité du pouvoir du péché et notre seul espoir du salut en Jésus-Christ. Cette illustration nous aide à comprendre que la connaissance de la vérité est essentielle à notre compréhension de la souffrance et des épreuves dans nos vies. Mais cela nous aide aussi à comprendre notre propre nature et le pouvoir du libre arbitre. Une telle compréhension nous aide à toujours chercher, à accepter l'aide, les conseils et la puissance de Dieu pour surmonter tous nos creusets, chers amis. Alléluia. En conclusion donc, nous avons compris, chers amis, que nous devons, sous la conduite du Saint-Esprit, cultiver la compréhension de la vérité sur Dieu. Le mal et nous-mêmes dans le contexte immédiat de notre vie et dans le contexte plus large du grand conflit cosmique. Nous devons comprendre la nature de notre libre arbitre donné par Dieu. Oui, il est vrai que Dieu est souverain et nous donne le salut et toutes les bonnes choses pour vivre et prospérer. Cependant, il nous a créés avec la vraie liberté, sans laquelle nous ne serions pas les mêmes. C'est pourquoi Dieu... Nous donne le pouvoir et nous appelle à exercer notre libre arbitre et à collaborer avec lui dans la grande œuvre de salut et le développement de son royaume ici-bas. Alléluia. Amen. Chers amis, nous remercions le Seigneur pour cette semaine d'étude et que sa paix, et sa bénédiction repose sur chacun d'entre nous et à une prochaine fois, selon la volonté du Seigneur.